Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter ce petit rameur qui est fort sympathique et qui fonctionne correctement. Nous avons ici le siège qui est monté sur rail coulissant, hein, voilà, qui coulisse tout le long du cadre lorsqu'on fait un entraînement. Voilà, il faudra s'asseoir dessus, mettre ses pieds dans les cale-pieds, voilà. Ils ont un arrêtoir là, ici, là, à ce niveau. Et on peut régler justement avec le scratch au niveau de la hauteur de son pied, hein, voilà. Juste on descratch, on tire un peu dessus, voilà, et après on re-scratch, voilà, pour bien caler son pied. Voilà, alors ici, nous avons le guidon, là, justement, qui est accroché au niveau des crochets, qu'il faudra bien penser à le remettre à sa place après l'entraînement. Voilà, et il est justement raccordé à trois bandes en élastique, là, voilà, qui ont l'air plutôt costaud quand même, hein. Voilà, hein, c'est plutôt costaud. Ce que je regrette quand même toutefois, c'est qu'on ne peut pas régler le niveau d'intensité au niveau du tirage, voilà. Il s'agit d'un tirage simple, hein, voilà. Nous avons aussi un compteur qui fonctionne avec une pile LR6 ou double A, voilà. Référence double A ou LR6, ancienne référence, qui s'insère justement à l'arrière, là, ici, à ce niveau-là. On peut replier aussi cette partie-là, là. Ici, à ce niveau-là, voilà, pour pouvoir justement avoir un effet compact, hein, pour le ranger si on n'a pas trop de place, qu'on soit en appartement ou en maison, hein. Voilà. Alors, tout simplement, en dévissant ici, à ce niveau-là, cette vis-là, on la dévisse complètement, on la retire, et on peut rabattre justement cette partie au niveau du cadre ici, à ce niveau-là. Mais franchement, il fonctionne correctement. Alors là, nous avons aussi un capteur justement qui permet de détecter le passage du siège coulissant. Voilà, alors à chaque aller-retour, voilà, là, hop, et là, hop, voilà, nous avons le compteur là, ici à ce niveau-là. On peut accéder au menu, hein, pour faire plusieurs réglages, remettre à zéro, recette. Voilà, après les modes, voilà, selon les modes qu'on désire. Super sympa. Il s'arrête automatiquement, hein, lorsqu'on ne l'utilise pas. Ça s'arrête automatiquement. Alors, il est monté sur des roues aussi qui permettent de le déplacer. Hein. Voilà, on peut facilement le déplacer. Voilà, hop là. Et là, voilà. On peut très bien le déplacer où on le désire. Super sympa. Franchement, il fonctionne correctement. Hein. Ça coulisse bien et ça fonctionne bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous remercie de l'avoir visionnée. Merci.